si c'est ça et c'est Darren qui va appeler. T'inquiète. Les crimes et la violence dans les cités. Alors, quelqu'un peut aller voir Jacques. Tonton parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de chelou. Qui aujourd'hui va faire des rôdes dans le quartier. Allez. Comme on dit. Louis Cic, bah, tu vas aller voir les gars, maintenant le problème des toits a été réglé, maintenant il faut régler le série et maintenant il faut régler le problème céréal lui. Non, mais Louis Cic, Louis Cic, mais on s'en prend une outil. À quoi? Y'a tonton qui fait quelque chose de chelou, enfin je sais pas ce qu'il fait, mais j'ai l'impression qu'il... Mais qu'est-ce qu'il fout, tonton? J'ai l'impression qu'il voulait me votre kick pour rien. Et on va où tu veux, mademoiselle, puis donc... Regarde, mon petit bébé. Il a bugué, je pense. C'est bon, sa connexion, elle est revenue. Tiens, bois. Non, toujours pas. Non, si c'est de l'alcool, après, on va devenir fort. Arrête, ma vie, Ma vie. Non, frère. Non, mais ceux qui voulaient me balancer, même si vous rigolez, de toute façon, c'est les modos qui m'ont mis les droits de fly. Donc ça sert à rien de me balancer. T'inquiète. Je suis ami avec eux, donc... Il y a un de vos potes qui voulait me balancer aux modos, mais sauf que les modos, c'est mes potes et c'est eux qui m'ont mis les droits de fly. Bon, tu peux nous laisser, on a la chicha. Ouais, je sais, depuis tout à l'heure, je vous écoute, sauf qu'il n'y a pas de chicha. Mais j'avoue, ça fait un coin chicha, mais il n'y en a pas. Tu veux un sandwich avec du fromage, du sa... comment ça s'appelle? Le cachet piquant. Ouais. Ah, moi je me rappelle dans une map, je faisais. Alors, tout, vous, qu'est-ce que vous faites en prison? Vous avez fait quoi? Rien, ça regarde personne. On a rien fait. Bah, c'est alors, juste vous êtes en prison parce que tout le monde nous énerve. Ok. À part Mielpox. Mais. Genre. Non, bon, mais en fait, Mielpox, qu'est-ce que t'as fait? Mais rien du tout, c'est moi qui a demandé d'aller en prison. Juste j'ai fait une pub et en gros, oh je l'ai abattu, mais ta gueule un peu, putain. Ok, et toi? Elle est énervée, c'est énorme. Non, moi vraiment j'ai rien fait, je voulais l'accompagner. Ok. Bon, bah, mais putain, mais ta gueule! Je peux prendre une bière? Oui, vas-y, prends. Et genre moi dans un serveur, j'étais une des seules, vraiment, qui faisait tout. À chaque fois qu'il y avait un problème, je suis restée toute la nuit, je réglais tous les problèmes quand on me demandait tout le temps. Enfin, genre j'étais. Il a volé une bière. Waouh, non mais lui. Moi j'en prends une, voilà, au moins il la prend pas. Voilà, et moi je prends la dernière. Et genre, je faisais toute la nuit, tout, j'étais dans le serveur. Il y a tout le monde qui m'insultait, donc, etc. Parce que du coup, t'étais au modérateur. Y en a... Non. Que pourtant, j'ai pas insulté une seule fois. J'ai respecté mais le serveur. Tu sais, je suis un peu comme toi, parce que moi, j'ai envie d'être non, modérateur et de trouver mes preuves. Vous pouvez le kick, c'est un gars qui... C'est le pote d'un gars qui me boot, s'il vous plaît. C'est qui C'est M-E-S-X-C-V, je sais pas quoi. M-Ki Oui, appelle Loustic. Ok, mais M-Ki celui qui vient de rejoindre M-X-C-V, je sais pas quoi. Ok, M-X-C-V. Oui. Loustic. Levi. D'urgence, appelle Loustic. Non mais d'urgence, appelle Loustic, d'urgence. Mais la Saïd, oui mais la Saïd, va demander à Saïd, ça va être mon... Là je suis pas disponible. C'est ça, Saïd, viens. Saïd, tu peux appeler Loustic, s'il te plaît, d'urgence. Mais Loustic, il est là. Mais où là? Loustic. Ah, en fait, Loustic, tu vois, il y a une meuf qui est en haut dans la prison, mais il y a quelqu'un qui a cru se rendre, en fait, il s'est booté, et il va booter peut-être la meuf, donc la meuf qui est dans la prison, là, la miel pop, elle demande de l'exclure, MX, truc. On va au-dessus de la map. Qui va exclure qui? Il faut exclure un certain MX, je sais pas quoi.
pseudo. Il est pote avec un booter. Et il s'amuse à me boot. Et du coup, bah, je veux pas qu'il soit dans la partie. Écoute, tu m'écoutes. C'est qui qui veut boot? Mais il est pas dans le serveur. MXSSIVE. Non, il vient de quitter. Ah bah il vient de quitter alors. Je le connais, je l'ai pris en ami. Est-ce que tu connais? Invite-le. Moi je l'ai un ami. Par contre je l'ai un ami sur play. Si jamais il rejoint, c'est sa co... De toute façon, oui non mais s'il t'a un ami, invite-moi en vocal avec lui. Je vais lui faire péter sa co en deux secondes. Bah j'étais pas un... j'étais pas un ami sur play pendant que tu m'as... Il s'amuse à me boot, il commence à me jeter tout. Il veut appeler des mecs, il veut lui montrer est-ce que c'est un boot. Non mais... Nostri, je le connais, c'est un petit con en vrai. Bah Nostri, tu veux que je te raconte qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu vas dire que c'est vraiment un fils de pute. Je t'avais dit, ça faisait 4 ans que je le connaissais. Il m'a fait un gros couteau dans le dos pour sauver sa putain de peau. Du coup, parce qu'il s'il me ramenait pas en vocal et c'est lui qui faisait boot. Et du coup, je me suis fait boot à sa place. Mais ça Nostri, je l'aime pas, c'est un petit connard en vrai. Certes, ouais, je vais checker s'il est sur écran, ben je sais pas si je l'ai foutu dans mes favoris. Putain, j'ai 20 hashtags amis. Si il rejoint et qu'il continue à droit insulter et autre, tu me préviens et on le kick et s'il continue, on le roule bonne, ça va. Oh fait, putain, là, elle est dans sa dorm room, la conne. En gros, si tu veux, si tu... Ouais j'ai fait comment je l'avais une voix, je vais parler avec ça avec lui. Ah merde il a bugué. Non lui dis surtout pas que je suis con, lui dis surtout pas. Bah en vrai il peut voir si... Bah en fait je t'explique, il peut voir si t'es con sur écran. Mais oui mais je l'ai supprimé en ami sur écran. Ça, oui mais il faut même le bloquer en fait, c'est pas le supprimer parce que même si je te supprime je peux voir, je peux checker t'es dans quel mode de jeu, je peux soit t'inviter ou soit te rejoindre. C'est même pas c'est même pas le supprimer, c'est le bloquer même. C'est tout, c'est pas le... Faut pas que... C'est bon, juste... je l'ai bloqué. C'est juste tout bête en fait, faut pas que tu le supprimes. Le supprime ça sert à rien, mais moi quand il y a un mec qui me fait chier, je le bloque. Je le supprime pas parce que ça sert à que dalle. Parce que moi dans mon cours de Maker Pen, il y a un mec, c'est un enfoiré qui arrête pas de m'insulter de suceur, de etc. Parce que je parle avec son brevin et JP pour faire plus connaissance. Et à chaque fois il me traite de suceur, etc. Je l'ai bloqué, je l'ai même dénoncé à JP. Oui, et je l'ai plus jamais revu. Et ouais, et je l'ai plus jamais revu dans le cours. Et ça c'est vrai. Il a dû se faire kick. Participer. Bah, je pense pas qu'il a été banni, mais je pense plus qu'il est plus dans le cours. Plus qu'il... Je pense plus qu'il est... Après voilà, après je sais que c'est un... Après voilà, je sais que c'est un petit con, mais bref, ça, c'est un petit con qui fout rien toute sa vie. Mais le pop, ça leur on dit merci à qui? Parce que c'est moi qui appelais les modos. Ouais, merci beaucoup. Parce que je t'expliquais, j'avais volé un compte parce qu'il était à quelqu'un. Et du coup, je l'ai volé au voleur pour après le rendre au propriétaire, sauf que je sais plus c'est quoi le mot de passe. Donc ils m'ont dit ouais tu me rends le compte sinon je te boot. Et il y a un gars qui se l'a ramené parce que en gros soit disant je l'avais volé un compte parce qu'en fait c'est Nostra qui me l'avait donné. Donc je lui ai donné sans souci parce que je me rappelais du mot de passe. Mais sauf que de Kalash, tu vois, et ben en gros je m'en souviens plus. Donc du coup il me disait ouais tu parles du coup je te boot. Bah après là. Après je t'explique la logique de Rec Room, si je peux t'expliquer. En fait la logique de Rec Room, c'est en fait c'est rien genre sur PS4 Rec Room ils sont baillés comme, mais si ça touche à Rec Room, genre si te boot sur Rec Room, là faut voir ça avec JP. Si ça te boot sur Rec Room, faut voir ça avec JP ou son brevin, je sais que son brevin ou même avec JP c'est un modérateur de Rec Room francophone si tu préfères. En fait il s'est boot. Parce que t'as dit faut voir ça avec JP. Alors on a un problème, il y a un mec qui s'appelle XX en XX, je sais pas quoi, il boot les gens du serveur. Il boot, c'est son pote, enfin ses potes. C'est ses potes qui me boot, mais là ils ont arrêté parce que j'ai supprimé un ami, ils savent plus que je suis co, donc du coup ben voilà. Non, mais en fait, non. Saïd, est-ce que tu peux TP Miyako en prison s'il te plaît? Elle était avec en fait, moi. Attends. Pour t'expliquer, est-ce que t'étais en vocal avec les personnes qui t'ont... Ben oui, ils ont mon IP. En plus j'avais changé de box et donc, tout au début. Et là ça y est, ils ont mon IP. Oui, parce que tu t'es connecté à leur vocal de mort, mais t'aurais pas dû. Et de 3, je te conseille, c'est de les bloquer carrément. Ouais, mais enfin si tu peux quand ils sont IP, mais tu contactes avec eux. C'est ce que j'ai dit. Bah après je peux même parler avec PlayStation après. Après tu peux te plaindre à PlayStation après. Non mais c'est ce que j'appelle PlayStation.
Attends, ouais, t'appelles PlayStation pour récupérer ton compte. T'appelles PlayStation pour récupérer ton compte. Écoute, t'appelles PlayStation pour récupérer ton compte et en même temps tu leur dis de ban à vie les hackers. Bah après faut que tu vois ça avec PlayStation, parce que comme la logique de Rec Room, c'est logique, tout ce qui touche à Rec, tout, si ça sort de Rec Room ou si c'est dans un autre jeu, Rec Room s'en bat les couilles, mais si c'est sur PlayStation, mais si c'est sur Rec Room, là voilà. Mais après, bon, après je te conseille d'appeler JP, ou pas JP mais un Sony. Ah, ton Poké FX m'a volé. T'inquiète pas, je gêne personne, t'inquiète. Dis-moi, est-ce que t'es chez quel opérateur, est-ce que t'es... Moi, ben, je suis dans un... Attends. Je reviens. Vous pouvez taper sa pote parce qu'ils étaient en prison les deux. Attendez, par contre, je suis oublié, est-ce que tu... Bouge ton boule. Je suis oublié, tu peux t'être mis à quoi dans la prison, c'est ma pote qui m'a accompagné. Merci. Donc du coup... Et je fais SFR et bah du coup bah voilà. Bah en fait, si tu te fais boot, tu peux pas faire Oui, vous étiez en faire crash des vocales. C'est oui, c'est bah oui, mais en fait, si tu changes d'IP en fait, bah vu que toi tu peux pas, t'es chez SFR, mais... Là il a comment... Black Souls, Black Souls. Quoi? XB Black Souls. Et après l'autre c'est UXL Men's je sais pas quoi. Ouais, ouais bah après donc tu les bloques, toi et moi on a une capture. Ils vont plus avoir ton IP. Si je fais quoi? Mais en fait c'est quoi un golden truc? J'ai communauté avec lui sur PS4 mais j'ai pas envie de rejoindre sa voc. Je ressens pas sa voc. Ok, mais, il a rejoint. C'est lui. De qui? Ah, dis pas que c'est moi parce qu'il va dire à ses potes que je suis co et puis. C'est lui. Oh. Lui qui a le profil d'Homer Simpson. Ah, Homer Simpson. Ouais, lui c'est un fils de. C'est lui, c'est Bisounours. Non, c'est MXIV, je sais pas quoi là. C'est un gars qui s'amuse à, ouais, enfin, à dire à ses potes. Homer Simpson, je le connais. MXIV, je sais pas quoi. Là. Putain, il a changé depuis. Non, c'est pas Homer Simpson. Bah, c'est qui? Son pseudo avant c'était Jules 13 ou Nenox, un truc comme ça. Mais non, mais ils vont le TP en. Ah. Ok, il a quitté. Non, il n'a pas. Vous l'avez pas? Vous l'avez ban? Bah ça serait bien s'il était ban parce que c'est la voix ici, c'est bien non? C'est pas moi. Ou c'est mal. Non parce que juste je voulais le TP pour que je leur parle avec lui. Parce qu'il va dire à ses potes que je suis quoi, ils vont s'amuser à faire crash ma co. Non mais je lui en ai mis. T'appelles les keufs. Non il est pas bon. Les keufs. Voilà complètement. Mais je lui ai dit genre s'il continue elle ira porter plainte à la voix. Ok je l'ai invité, préparez-vous avec un bâton, je répète, préparez-vous avec un bâton, je l'ai invité. Prends une vidéo. Ok. T'attends ici, bon. Tu prends une vidéo et après voilà. Et s'il dit un truc de mal, t'envoies ça à elle et après elle peut porter plainte. Et voilà. Bon. Mais là, je suis en train de clip sur la play et puis. Ok. Expliquez parce que là. Coucou. Là, attends. Ah c'est bien. Alors c'est bien Enox de dire à tes potes de me boot, c'est ça hein, c'est bien ça. Ouais, mais dis donc, bien. Bravo. Ah, c'est bien, bah oui, mais oui. T'as vu c'est cool hein. Qu'est-ce qu'on en fait Eh ben la vie de ma mère, t'as vu qu'elle lâche ben, le coron je le rends pas, je le garde et je vais le donner. Non, je vais pas le donner. Non, je vais pas le donner. Non, je vais pas le donner. Je vais pas le donner, je vais le rendre pas. Vous m'avez boot, je le rends plus. Vous m'avez boot, je le rends au propriétaire, c'est bon? Je le rends au propriétaire. T'inquiète, attends, vous gagnez. Vas-y, faites-moi crash. J'attends. Tout ce qui se passe, j'étais en train d'enregistrer alors. Mais moi je suis en train d'enregistrer. Mais faites-moi crash. Faites-moi crash. Là je suis en train de clip, d'accord? Je vais le mettre sur YouTube. Après avec ma mère je vais le mettre. Et au moins si elle porte plainte, si vous me rebootez, eh ben j'envoie le clip. Voilà. Donc maintenant je vais le mettre sur YouTube. Il a flippé.
Mec, on a rien à faire de lui, viens le kick, viens le ban du serveur, c'est trop... Je sauvegarde mon clip, bon, après quoi, je vais le poster sur YouTube.